Salut à tous et à toutes et bienvenue dans La Magie et ses secrets. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec notre paquet de cartes. Et si vous avez bien remarqué, ouais, il est un peu spécial hein. Tout simplement pourquoi? Bah parce qu'en fait il a un trou, vous voyez. Donc toutes les cartes sont perforées hein, comme si on avait fait des trous de perforette. Et en plus de ça j'ai un outil spécial, ça s'appelle les menottes à doigts. Ces menottes à doigts elles peuvent aller où? Tout simplement dans les cartes, voilà comme ça c'est. Et donc aussi s'accrocher sur notre doigt. Voilà, mais avant toute chose, on va demander au spectateur de choisir une carte. Donc bien avant, il peut le mélanger. Bon, moi j'ai pas de spectateur, hein, donc c'est moi qui vais le faire. Donc on peut mélanger, on peut couper, hop là, on peut couper le paquet, tout ce qu'on veut, hein, vraiment. Hop, j'ai oublié de faire le mouvement. Voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous demander de me dire stop quand vous voulez. Donc je vais me rapprocher un peu. Sauf que du coup, bah j'ai pas de spectateur, donc je vais faire stop à votre place. Donc stop, voilà. 9 de pique par exemple, c'est une bonne carte. Youp, elle a même laissé tomber la moitié. Mais c'est pas grave. Hein. On va y laisser par terre. De toute manière, il n'y a pas le 9 de pique. Donc, si je veux refaire passer les cartes, si je vous les remonte, je pense que vous, hop, vous allez peut-être le voir, le 9 de pique passer. Vous me dites si vous le voyez. Enfin, moi, je vais regarder aussi. Mais doucement. Ouais, 9 de pique, voilà. Ici, ok. Donc, voilà. Donc, on l'a vu. Donc, il est encore dans le paquet, même si j'ai 3000 cartes qui se sont cassées la figure. Donc là, je vais refermer nos menottes. Voilà, hop, ici. Et là, je vais accrocher les menottes à mon doigt, comme ceci. Ok. Et donc là, je vais secouer. Et votre carte va tout simplement disparaître en plus de celle qui est par terre. Voilà, je pense que c'est bon. Donc je vais vous montrer les cartes. Vous voyez, hop. Et si on regarde bien, on va le faire. On va le faire comme ça. Je sais pas comment le faire. Non, comme ça, voilà, c'est mieux. Ok, donc là, on voit pas. De 9 de pique hein, jusqu'à présent, le 9 de pique a disparu. Tout s'est bien passé. Hein. Le 9 de pique a totalement disparu. Voilà. Voilà. Et donc en fait, depuis tout à l'heure, je vous l'avais pas dit, mais moi j'ai avec moi un porte-monnaie ici. Voilà. Hop. Et ce porte-monnaie, bon, il est un petit peu magique, je veux pas vous mentir. Hein. Quand on l'ouvre, et ben en fait, des moments, il prend un peu feu, vous voyez. Là, il prend feu, voilà. Ça sent pas très bon, mais ça fait chaud. Et regardez, si on l'ouvre, pourtant, hein, on peut voir qu'il est tout à fait normal. Et regardez, si on regarde ici, hop, on peut apercevoir une carte qui était la vôtre. Voilà, donc je vais poser ça. J'espère que ce petit tour de magie vous a plu. Si c'est le cas, on met des pouces en l'air, on commente, on partage à ses amis et même à ceux qui ne sont pas en s'abonnant, cliquant au milieu de la vidéo. Puis moi, je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à ciao, ciao, les amis.